Salut à tous et bienvenue dans Chronomusique, la chronique Musique Express. Aujourd'hui, on va faire de la musique des années 70. Mais attention, pas n'importe quelle musique des années 70. Aujourd'hui, on va faire de la synth-pop, un genre très largement popularisé par des groupes comme Kraftwerk, Depeche Mode, Duran Duran ou encore The Bugle, et qui a influencé pléthore d'artistes actuels, de Lady Gaga à M83, en passant bien sûr par The Do et Chevy Riches. Si ce genre musical a atteint son apogée durant les années 70, il est en fait né à la fin des années 50-20, avec la popularisation des synthétiseurs digitaux et des boîtes à rythme. Car vous l'aurez compris, la synth-pop, c'est de la pop avec des synthés. Mais trêve de blabla, on va voir ça en faisant un remix du morceau Still Into You du groupe Paramore. D'abord, j'ai été choper une version a cappella du morceau sur la chaîne officielle du groupe. C'est une prise live, en one shot, et comme c'est enregistré avec le micro d'un téléphone, la qualité audio est un peu dégueulasse. Ce qui est génial, puisque ça va participer à donner un côté vintage à tout ceci. On va quand même rajouter quelques effets, un peu d'EQ, de compression, de reverb et de delay, et voilà ce que ça donne sur les accords plaqués au piano. Pour épicer un peu ceci, on va rajouter un tout petit accord du 6ème degré, ce qui va nous donner une progression d'accord un peu plus pop. On va aussi enrichir un rien ces accords, et ça va donner ceci. Alors ces accords, on va pas les laisser au piano, on va les jouer avec un magnifique son de clavier synthétique bien kitsch comme on les aime, ce qui va nous donner un truc comme ça. Il nous faut aussi une petite ligne de basse, encore une fois synthétique, avec très peu de sustain pour donner un son assez sec, comme cela. Voilà pour la basse, et voilà donc ce qu'on a jusqu'ici. Alors c'est pas mal, mais on va rajouter un petit fill, c'est-à-dire qu'on va littéralement remplir les vides entre les phrases de la voix, avec encore une fois un petit synthé qui n'est pas sans rappeler le club BCBG. Ça ressemblait à un petit truc, mais ça manque encore un peu de mouvement. Alors on va venir rajouter un petit riff. Un riff de quoi? Un riff de synthé. Alors évidemment, on peut pas faire de synth-pop sans la fameuse boîte à rythme super kitsch avec cet homme qui font piou-piou et sa caisse claire qui fait pfff. Écoutez plutôt. Il ne nous reste plus qu'à combiner tout ça. Je vous laisse écouter ce que ça donne, mais d'abord, j'ai 2-3 choses à vous dire. D'abord, je vous ai fait une version longue de ce petit remix, le lien est dans la description. Je vous mets aussi le lien d'un mini-documentaire qui vous explique comment toute l'esthétique musicale des années 80 a en fait découlé d'une bête erreur faite en studio d'enregistrement. C'est super intéressant. Je vous conseille aussi évidemment la chaîne Tronic Box qui fait essentiellement des remixes 80s de morceaux actuels. C'est la perfection la plus totale, alors allez voir ça aussi. Moi, je vous retrouve très très bientôt. D'ici là, pouce bleu, partage, abonne-toi, prenez soin de vous et à très vite. Salut!